Alors les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, sans surprise, nouvelle petite revue Transformers consacrée aujourd'hui donc à notre Studio Series The Movie 86 Brawn. Oui, enfin notre Minibots Brawn est disponible dans cette gamme. Et ça fait super plaisir puisque voilà, nous avons, et comme je suis fan moi des Minibots, nous avons enfin, voilà, ce petit père dans la team. Ça avance, hein. Bientôt je pense qu'on va avoir fait le tour des Minibots G1. Donc voilà, une bonne nouvelle, vivement les autres. Donc voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et commençons les présentations avec notre boîte Studio Series sur laquelle nous retrouvons donc en façade un magnifique artwork de notre Minibot Brawn. J'adore ce personnage, c'est mon Minibot préféré et il fait partie aussi de mon top 5 des Autobots préférés. Pourquoi? Parce qu'il est petit, il est teigneux, il est combatif, il est hargneux et il est surtout super balèze. Voilà, ne vous méfiez pas à sa petite taille, ce petit Brawn, franchement, décape, décoiffe et envoie du lourd. Sur la tranche latérale droite, justement, nous retrouvons notre ami Brawn en pleine action. Sur la tranche latérale gauche, à nouveau, un gros plan sur son visage, extrêmement ressemblant. Donc voilà, vraiment inspiré, comme le veut cette gamme, donc du long métrage animé sorti en 1986. Et on nous indique également donc qu'il s'agit d'un Deluxe Class. Et au dos de la boîte, bien évidemment, le traditionnel produit commercial, notre Brawn, pardon, je vais y arriver, notre Brawn sous sa forme botte, sous sa forme véhicule, et on nous indique que la transformation se fait en 23 étapes. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons, vous le savez maintenant, donc la petite notice. Et Studio Series oblige, nous retrouvons donc notre diorama qui fait à la fois place de support. Voilà, nous positionnons donc notre robot sous sa forme robot tout simplement ou véhicule juste ici. Et nous avons ce petit diorama. Rappelez-vous le film de 86, l'attaque surprise de Megatron et de ses lieutenants Decepticons qui auront lieu malheureusement, qui auront pour effet, hélas, donc, de mettre fin à notre ami Brawn, voilà, qui se sera battu courageusement et vaillamment. Ce film, c'est un véritable carnage, tant dans le côté Autobots que Decepticons, mais pour le coup, non, ce sont vraiment les Autobots qui en prennent plein la tronche. Vraiment un film que je ne peux que vous conseiller de voir. Vous pouvez le trouver sur YouTube, il était disponible pendant longtemps en version originale, et puis vous pouvez également le trouver donc en Blu-ray. Voilà, si vous voulez retrouver ce film qui a été entièrement restauré et qui est vraiment exceptionnel. Voilà, et ce sera tout donc pour ce qui se trouve donc dans la boîte. Et attardons-nous à présent donc sur notre Brawn dans son mode véhicule et sur ses différentes finitions vraiment extrêmement réussies et très flatteuses. Déjà, première chose, on retrouve le côté du jouet G1 et surtout le Brawn de l'anime avec les couleurs de l'anime. Vraiment une petite réussite. Hop là, voilà, je classe bien la caméra rouge. Nous retrouvons donc la roue de secours sur le toit, le pare-brise avant ainsi que les vitres latérales, voilà, sont peintes. Et c'est plutôt sympa. Le rendu est vraiment très joli. Dommage qu'il n'en ait pas fait autant pour la vitre arrière. On a bien l'essuie-glace, on a bien tout ce qu'il fallait. Juste un petit peu de peinture là, ça aurait été vraiment vraiment sympathique. On retrouve ici, alors je suis daltonien, alors moi personnellement j'ai beaucoup de mal à le voir rouge sur vert, mais on retrouve ici sur le capot en gros le symbole Autobots, voilà, la calandre en
couleur argentée, voilà, du plus bel effet, très très bien détaillé, avec un petit peu de jaune, voilà, sur le bas du pare-choc, du jaune métallique. Voilà, le rendu est vraiment superbe, les finitions sont très soignées. Dommage que les phares extérieurs n'aient pas été peints également. Sinon, pour le reste, franchement, voilà, de face, c'est vraiment excellent. De profil, c'est pas trop mal. On a juste cette petite charnière ici, cette double charnière qui est assez visible et qui occasionne un petit creux juste là. Pour le reste, donc c'est un deluxe, hein, c'est vraiment un petit véhicule très compact. Je trouve que le boulot est quand même remarquable, vraiment bien fait. On a la joie d'avoir les jantes argentées. Malheureusement, ah, horreur, nous avons encore ces foutus clips pour rester poli. Vraiment dégueulasse, ça j'aime pas, ça fait vraiment jouer, ça fait cacaille. On fait pas ça aujourd'hui sur du Transformers, un petit rivet, vous l'avez prouvé sur d'autres véhicules, sur d'autres personnages, Hasbro. Alors continuez comme ça, quoi, arrêtez de nous faire ce genre de clips, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Et puis au dos, eh ben, on retrouve encore des petits détails, mais c'est dommage, hein, pas de peinture, donc ça gâche un petit peu, c'est un petit peu fade. Ne serait-ce que la vitre arrière, ça aurait été propre. On retrouve juste ici donc ce qui est censé être le jerrycan. Enfin bref, voilà. Des points positifs et des points négatifs. Personnellement, je l'aime bien. Je retrouve bien ce que je voyais dans le dessin animé et aussi un petit peu le jouet. Donc, vu de face, de profil, de dos, de dessus, au niveau d'undercarriage, comme tous les brawns existants, nous avons bien entendu donc une partie des jambes visibles. Nous avons également le torse, le visible, et le cucu, la tête. D'ailleurs, que j'ai volontairement pivoté dans l'autre sens pour éviter qu'on ne la voie trop. Donc voilà, nous avons donc le syndrome du cucu de la tétette. Mais voilà, c'est déjà le cas pour d'autres figurines qui rendent hommage au Brand G1. Voilà donc pour les présentations de notre véhicule. Et dernier test, est-ce qu'il roule? Oui, il roule parfaitement, il est véloce. Donc voilà, un bien joli petit mode véhicule. Et pour en finir donc avec le mode véhicule, eh bien comme toujours, petite photo de famille de mes différents Brawn Esprit G1. Nous retrouvons donc sur la gauche justement notre bon vieux G1 sorti en 1984, notre version Universe Legend Class sortie en 2008, juste à côté. La très 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 bonne version Titans Return sortie en 2006. Et n'oubliez pas, le petit plus, c'était de pouvoir y loger une petite figurine Headmasters au volant, malgré sa taille. C'était vraiment, voilà, ça c'était vraiment en termes d'ingénierie excellent. Nous retrouvons donc, voilà, notre Studio Series Movie 86. Et juste ici, tout à droite, nous retrouvons donc notre masterpiece Mighty Warrior Hammer du Fourth Party Final Victory. Je vous en ai fait la vidéo il y a quelques années. N'hésitez pas à la regarder si vous souhaitez avoir voilà, en savoir davantage. Et j'ai d'ailleurs également fait des vidéos aussi, une vidéo du Titans Return. Voilà donc pour conclure avec le mode véhicule. Ah oui, et tant que j'y pense, petite chose donc que j'avais omis de vous montrer, voilà le blaster de Brawn. Et là, donc pas de doute, là encore, c'est vraiment fidèle à celui qu'il a dans le dessin animé et dans le long métrage animé. Et pour le stockage, vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez la roue de secours juste ici, un ergot femelle, donc de 5 mm, voilà un port 5 mm, et vous n'avez plus qu'à rajouter le petit gun, voilà pour le stockage. Et chose bien sympathique également, nous retrouvons donc la compatibilité avec les effets de feu, de tir et d'impact, et ça c'est juste topissime. Alors concernant la transformation, eh bien écoutez, Hasbro a fait de l'excellent travail. Sachant que le véhicule est quand même ultra compact, voilà, la transformation est vraiment super bien étudiée. Je me suis éclaté.
Pour celles et ceux qui ont connu le fourth party, donc iGear, voilà, de chez iGear, il y a bien une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus, on retrouve, voilà, tout à fait le type de transformation. Alors vous allez voir, c'est l'éclate. Donc on commence tout d'abord par déclipser le bas de l'arrière du véhicule, et ensuite vous faites, voilà, une rotation comme ceci. Vous avez les ergots femelles et l'éclipse mâle, voilà, pour le loquage. Ensuite, vous venez lever l'arrière du toit du véhicule comme ceci, et on n'y touche plus pour le moment. Ensuite, vous venez déclipser, hop, hop, voilà. C'est donc les deux points ici. Là encore, donc, vous avez deux petits ergots et voilà les ergots femelles de façon à bien les loquer. Donc voilà, vous débloquez le tout. Ensuite, vous venez déclipser l'avant comme ceci et on vient déployer toute la partie latérale où se trouvent donc les roues avant, les roues arrière. On vient placer ça dans l'alignement comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la rabattre sur elle-même. Voilà, ça c'est une étape que j'adore dans la transformation. C'est vraiment super bien pensé. Voilà, vous clipsez bien le tout comme ceci. Voilà, on vient rabattre le pied et le talon. Même chose ici. On vient, voilà, rabattre et loquer toute cette partie-là. On sort l'avant du pied, le talon, et voilà, nous avons déjà donc les jambes de notre Brown de transformer. Voilà. Ensuite, donc moi, ce que je fais, c'est que je remonte un peu plus les bras, ce qui me permet donc d'effectuer une rotation du bassin de façon à avoir cette partie-là dans l'alignement du torse. Donc vous devez avoir les roues à l'arrière. Regardez comme c'est bien foutu, hein. Voilà. Ensuite, donc on vient ouvrir. Alors déjà, je vais venir déclipser les bras comme ceci. Ergo mâle, ergo femelle. On vient rabattre sur elle-même cette partie-là comme ceci. Idem ici. Hop, on rabat. On lock. Ensuite, on abaisse cette partie-là. Alors, je vais prendre un petit peu des hauteurs. On vient faire une rotation de l'avant du véhicule. Voilà, pour que donc la partie des phares calandre pare-chocs se retrouve à l'intérieur. Voilà. Quand on a fini, on vient relever et rabattre ces parties-là comme ceci et on lock. Idem, hop, on lock. On peut à présent mettre les bras également dans l'alignement, rotation. On sort le point, rotation, on sort le point, rotation. Ensuite, on vient rabattre cette partie-là par-dessus. On effectue là encore une rotation de la tête. Voilà, le cucu, la tête-tête. Et on n'a plus qu'à venir placer et loquer. Voilà. Et pour terminer, donc, vous avez cette partie-là, donc vous l'aurez compris, qui va faire office de backpack. Alors vous avez une double charnière qui va vous permettre de venir rabattre le backpack sur lui-même, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Brown transformé. Yes! Et petit 360 de notre Brown dans son mode bot, que dire, je le trouve absolument sensationnel. C'est Brown, voilà, c'est vraiment le personnage qu'on voyait dans le dessin animé.
Quelle évolution par rapport au jouet, pour le coup, voilà, c'est vraiment une pièce tout à fait superbe. Les finitions sont propres, on retrouve même des parties donc métalliques pour les avant-bras et les poings. Vraiment, les finitions sont soignées. Pas de jour, pas de vide, pas de creux, quoi que ce soit. Ou alors vraiment un minimum. Le système de transformation des jambes, je trouve ça absolument ingénieux. C'est du tonnerre. Voilà, la transformation, comme vous l'avez vu, est simple, facile, fluide, intuitive. Vraiment, c'est l'éclate. Alors le backpack est peut-être un petit peu proéminent, mais bon, j'ai regardé des photos de Brown aussi dans l'anime. Son backpack n'est pas petit non plus. Donc voilà. On pourra lui excuser ce petit écart. Pour le reste, c'est vraiment juste du tout bon. Absolument magnifique. Petit zoom sur le visage. Là encore, c'est un sans faute. Le visage est absolument sublime. Le casque est peint avec une touche de peinture, donc glossy. Voilà, ça donne un aspect brillant à son casque. J'aime beaucoup le visage tout en silver, très détaillé. On a sa moue, hein, rappelez-vous, Brown est un teigneux, est un râleur, un peu comme moi-même. Et puis voilà, les yeux en bleu métallique, c'est vraiment superbe. Le taf est excellentissime. Regardez-moi tous ces petits détails au niveau donc voilà du pourtour arrière de la tête, l'abdomen, voilà. Ça c'est joli, vous voyez, pas de jour, pas de creux, et en plus on a plein de moulures également. Voilà, le système des roues qui viennent se rencontrer côte à côte, voilà, comme ça c'est pareil, c'est de la super finition. Donc voilà, vraiment une petite beauté. Alors concernant les articulations, nous avons donc une rotation de la tête, ah, voilà, de gauche à droite. Voilà. Alors ça demande pas mal d'efforts, hein. La tête est vraiment bien placée, bien bloquée. Nous avons également donc une rotation, voilà, à 360 du bras. La pub Dove, hop, pas de souci, il la gère sans problème. Là encore, on voit que tout est bien calé, tout est bien rentré, tout est bien intégré. Nous avons donc un joint champignon qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras, une rotation du coude à plus de 90 degrés, rien à dire. Nous avons, de par la transformation, donc le point que l'on peut, voilà, pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Alors on a un petit jour ici, mais je trouve que ça va, ça passe, ça couvre déjà à la base une moitié de la partie de la main. Donc voilà, on n'a pas quelque chose de trop profond. Donc à l'intérieur. Donc voilà, ça reste. Alors bon, un petit panneau, ça aurait pas été du luxe, mais voilà, de par la petite taille, je trouve que voilà, le compromis est plutôt bon. Nous avons ensuite, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une rotation à 360, voilà, du bas, enfin du bassin, tout simplement. Nous avons donc pour le grand écart, JCVD, regardez-moi ça, il gère la pose sans broncher. Le grand écart latéral, autant à l'avant ça passera sans problème, autant à l'arrière à cause du backpack, voilà, ça va gêner un peu. Il n'y a pas moyen, après vous pouvez voilà, le déplacer comme ceci, mais bon, c'est esthétiquement, si vous, voilà, esthétiquement c'est tout de suite moins joli. Nous avons ensuite donc un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe. Une articulation du genou, hop là, à peu près 90 degrés. Ça va, ça fait son taf, c'est correct. Et le pied, donc, vous pouvez lever, baisser, voilà, l'extrémité du pied, tout comme le talon. Et vous avez également, donc, voilà, pour finir, la possibilité d'incliner, hop là, merde, d'incliner, donc, le pied, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, il remplit parfaitement le cahier des charges. Ce sont les articulations, voilà, que l'on est en droit d'attendre et d'avoir donc sur les Transformers actuels. Et pour le coup, donc, eh bien, il propose tout ça. Donc voilà, encore du coup un sans faute au niveau des articulations.
J'ai beau me répéter, mais véritablement, je l'adore. Et pour conclure cette vidéo, petite photo de famille de mes différents Browns de type G1, cette fois-ci dans leur mode bot. Donc nous retrouvons bien évidemment le Studio Series juste au centre. Devant lui, au milieu, notre bon vieux et précieux G1. À côté, donc, la version Universe Legend Class. Le Titan's Return, juste ici. J'avais oublié de vous montrer également, et je vous en ai parlé, donc, concernant la transformation, la version Aegir, voilà, sortie aux alentours de, je dirais, 2010, 2012, quelque chose comme ça. Et dont la transformation est très proche, ou du moins la transformation de celui-ci est très proche avec le Aegir. Et pour terminer, donc, on retrouve à nouveau notre masterpiece Mighty Warrior Hammer, voilà, de chez Final Victory. Et ce sera tout pour cette petite photo de famille. Yes! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue consacrée donc à l'excellent Millibot Brown issu de la gamme Transformers Studio Series The Movie 86. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns donc de découvrir ce personnage et pour les autres de redécouvrir. Voilà la version 2.0, celle qui ressemble, qui est ma foi la plus fidèle actuellement officiellement de Brawn. Voilà, une véritable bonne surprise, franchement, voilà, il y a eu du bon boulot de fait, comme je vous l'ai dit, transformation au top, les finitions sont très soignées, les moulures, les sculptures aussi, le visage est juste superbe, vraiment. Un toy que je ne peux que vous conseiller. Alors bien sûr, je manque parfois toujours d'un petit peu d'objectivité. Je suis fan de Brawn, donc voilà, je trouve que celui-ci, voilà, pour moi, est vraiment très très réussi. Donc voilà, je valide. Un mode total love pour moi. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. D'avance également, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, sont source de motivation, de joie et me donnent envie de vous faire toujours des revues plus sympas les unes que les autres. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, sachant qu'il y a les vacances, voilà, je ne sais pas si je serai, si je serai là, ou si je ferai une vidéo ou plusieurs vidéos, donc ce sera la surprise, si vous êtes abonné, de toute façon, vous recevrez une notification si, voilà, il y a une nouvelle revue, voilà, donc, écoutez, bonne fin de semaine, bon début de week-end, bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, et puis à très vite, et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Charlie Brown? James Brown? Oui, mais alors non, là c'est vraiment très mauvais là. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.